Calcul de la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle à l'aide du cosinus. Dans cet exercice, on nous demande de calculer la mesure de l'angle MPN arrondi au degré près. Nous avons un triangle rectangle et nous connaissons les longueurs des trois côtés de ce triangle. Commençons par repérer l'angle MPN et nous allons donc pouvoir utiliser le cosinus de cet angle. Donc nous sommes dans un triangle rectangle en M et le cosinus de l'angle MPN est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle MPN sur la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle. Le côté adjacent à l'angle MPN est le côté PM et l'hypoténuse du triangle est le côté PN. Nous avons donc cosinus de l'angle MPN qui est égal à la longueur PM sur la longueur PN. En remplaçant par les données de l'énoncé, on obtient que le cosinus de l'angle MPN est égal à 2 sur 5,2. Nous allons maintenant, à l'aide de la calculatrice, trouver la valeur de l'angle MPN. Pour cela, sur la calculatrice, vous tapez seconde cosinus et vous rentrez la valeur exacte du quotient 2 divisé par 5,2. Ce qui nous donne une valeur de l'angle arrondi au degré de 67 degrés.